D'après mes souvenirs, on était au château et on a croisé Cassandre, Dame Cassandre, chevalière qui m'avait donné des nouvelles de ma sœur Kaina. Elle m'a demandé si j'acceptais la quête de lui ramener le sceptre que Kaina était censée aller chercher depuis déjà quelques années et qu'elle n'a toujours pas de nouvelles d'elle. Elle m'a fait promettre sur le fleuve des morts, je crois bien, de lui ramener, de lui faire un rapport et essayer de lui ramener le sceptre à Arya. J'ai finalement accepté de lui faire la promesse, malgré que je sache que cette promesse engendre une mort immédiate si elle n'est pas respectée. Et on est finalement allé manger quelque chose avec Mousse pour faire le point sur ce qu'on sait et aussi se raconter un peu nos histoires. L'histoire de 19 qui était en fait une noble d'Aria. Heisenberg qui était un alchimiste qui faisait des pratiques plutôt mal vues dans son école. Et moi qui suis en apprentissage et qui aimerais bien retrouver ma sœur et mon maître. Dans la taverne où nous sommes allés manger, une femme est venue à notre table, une voyante, une mage qui maîtrisait les arcanes de la voyance, quelque chose comme ça. Elle nous a fait tirer des cartes qui nous permettaient d'améliorer certaines de nos compétences. Personnellement, j'ai choisi ma compétence de flamme, essayer de l'améliorer un peu pour pouvoir aider mes amis. Sauf que la carte que j'ai tirée n'était pas tout à fait celle que j'attendais. J'ai tiré la dame de pique, je crois bien. La voyante m'a dit que cette carte signifie que ma quête pour acquérir des chances en plus de réussir mes sorts, c'était de trahir une personne qui m'était proche. Pour l'instant, les personnes qui me sont le plus proches, c'est 19, Heisenberg et ma sœur. Et Fred et Malice, bien sûr. Suite à ça, 19 et Heisenberg ont aussi tiré leur carte. 19, elle doit tomber amoureuse. Ça me fait bien rire, qui c'est qui pourrait tomber amoureux? Et Heisenberg devait donner tous ses biens et être sûr qu'il ne devait pas les récupérer. Donc il nous a tout simplement tout donné à nous. Suite à ça, on s'est dit qu'on devait absolument faire traduire le parchemin qu'on avait trouvé avec la boîte en métal pour essayer soit de l'ouvrir, soit de comprendre en quoi consiste, qu'est-ce qu'elle transporte ou avoir plus d'informations dessus. Donc, vu que le parchemin était écrit en akkadien, on a décidé de se rendre au ghetto d'Aqaba pour essayer de le faire traduire par un habitant. C'est à ce moment-là que je me suis prise le panneau d'un bar à chicha qui se trouvait dans le ghetto, dans lequel on nous avait informé qu'il y avait peut-être quelqu'un qui pourrait nous traduire ça. Ça m'a déjà bien énervée, la journée commençait bien, on va dire. On est finalement rentré à l'intérieur pour rien, puisque le gérant ne pouvait pas nous traduire ça, il ne savait tout simplement pas lire. Ça, c'est fait. Il nous a proposé de nous asseoir à une des tables où il y avait une chicha et nous a proposé de consommer. Bien sûr, j'ai dit non, sauf que on n'a pas tous dit non. Donc forcément, les vapeurs ont fini par arriver à mes narines. Et c'est à ce moment-là que mes souvenirs deviennent un peu flous. Je me rappelle qu'on est allé au dock manger quelque chose que j'ai tout de suite ressorti après et que je me suis
Je me suis disputée avec Fred. Bref, un gros dilemme. Et d'après mes souvenirs, on était allé au doc pour essayer de trouver un homme qui pourrait donc nous traduire le parchemin. Et cet homme a envoyé 19 et Heisenberg faire quelque chose, une mission. Apparemment, ça leur a apporté gros. Je sais pas, j'ai pas tout compris. Et finalement, on est fini par retourner au quartier d'Akaba. Moi, encore plus perdu. J'ai encore moins compris ce qui se passait. Et on est rentré dans une échoppe où il y avait un vieux monsieur. Et il m'a donné une sorte de pâte de fruits qui était d'ailleurs délicieuse. Et c'est à ce moment-là que mes souvenirs se redeviennent un peu plus clairs. Je pense que grâce à cette pâte de fruits, j'ai pu redescendre de mon nuage. Et on a fini par faire traduire le parchemin, enfin. Et ça nous disait qu'en fait, cette boîte appartenait à un sultan. Et qu'on devait lui restituer et qu'en échange, on aurait soit notre poids en or, soit une autre récompense de notre choix. Bien sûr, très intéressé, on récupère vite le parchemin, sauf qu'à ce moment-là, l'assistant du vieux monsieur de l'échoppe nous a volé la boîte. Je sentais que ça allait être une mauvaise journée. On est vite sorti de l'échoppe pour essayer de le rattraper. On a couru dans la foule, j'ai perdu 19 à un moment, je sais pas. Déjà que je la voyais pas beaucoup avec tout le monde, vu sa taille. Mais je sais pas, elle a dû tomber. Et alors j'ai continué à suivre Heinz, sauf que je l'ai perdu à un moment, mais Heinz le voyait encore, donc il a continué à le poursuivre, mais il l'a finalement reperdu. Et sous l'énervement, d'ailleurs, ça m'a fait bizarre de voir Heinz énervé et il a carrément frappé quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Jotun, encore. Le fameux Jotun qui a essayé de nous dérober nos bourses. Il se trouvait au mauvais endroit, au mauvais moment, on va pas se le cacher. Hein. Et à ce moment-là, on a essayé de faire le lien entre le voleur de la boîte et Jotun, qui est lui aussi un voleur. Et il a finalement pu nous révéler qu'en fait il faisait partie de la guilde des voleurs avec l'homme en fait qui nous avait volé la boîte et qui pouvait nous aider en fait à la récupérer. On s'était arrêté donc dans cette taverne côté de Jotun qui nous donnait des informations sur ce fameux garçon et nous aidait à retrouver notre objet perdu. Alors oui, et plus précisément la dernière fois vous aviez décidé de repartir à l'arbalète. Oui, plus précisément, à l'arbalète. Je me lave, en fait. Ah oui, c'est vrai, il fallait que... Parce que apparemment, je ne suis pas assez présentable pour ces personnes, et donc il faut que je me lave et qu'on me frotte, et que voilà. Donc j'ai bien voulu me laver, j'ai bien voulu m'habiller, parce qu'en plus, ma garde-robe ne convient pas. Hein, bon, ok. Mais il est hors de question... Quelqu'un me coiffe, fasse des nattes ou je sais pas quoi. J'ai déjà vu Kairis s'approcher. Voilà. Si tu veux faire des nattes, Kairis, tu as ce cher Mousse qui est. Il y a de quoi faire hein, sur Mousse. Il y a des poils en haut, en bas, au milieu, partout. Pour te rendre plus belle! Plus belle que tu ne l'es déjà, 19. Je n'ai aucun goût, ma chère. Vous êtes charmante au naturel, franchement. Sans alors, crasse, ouais. On va pas faire tout le chemin, mais par contre, si tu veux t'habiller noblement, il va falloir me payer au moins 3 orbes. Alors, juste pour claquer la bouche de Kairis, je vais dépenser, mais grave, en fait. Je suis ma feuille de personnage, excusez-moi. J'étais des bijoux, des parures. Un orbre, c'est 2 pièces à chaque fois. Toutes les semaines, c'est la même galère. C'est l'argent, je crois. Pièces d'argent. Ouais, je devrais essayer, mais
J'arrive pas à parler en pièces d'or, pièces d'argent. Les orbes, c'est pièces d'argent. Ça marche. Ça va rentrer, t'inquiète. Oui, à force, on va bien, arriver. Je vais mettre une couronne en tout. Ouais. Pour avoir une tenue correcte. Bah, pas de franc-frelu, je veux un truc correct. Quoi. Bon, je vais plus m'acheter presque des habits d'homme, en fait, finalement. Mais des habits corrects. Voilà. Ok. Oh bah du coup, on m'a dit qu'il fallait que je sois bien habillé, on m'a pas dit que j'étais bien habillé en princesse. Je peux non. prendre des habits d'homme. D'accord. Du coup, tu vas raquer, mais tu vas quand même choquer les gens, donc tu pourras quand même pas rentrer. Mais je m'en fous. Il n'est pas question que... Parce que je la vois déjà, la Caris qui rêve de... Ah non, non, pas question de mettre des nœuds dans les cheveux ou des cochonneries. Niette, je suis pas question. Donc je dépense presque sans compter, puisque je dépense pour une couronne. Ah ouais, du coup, tu ressors de la boutique, vous voyez, 19 est transformé. C'est, non, tu bouges pas. À peine reconnaissable. Ah bah là, oui, ça doit être à peine reconnaissable. Hein. Je lui fais une belle révérence avec mon chapeau, comme ça. Et tu dis, mais c'est qui? Dame 19. Enfin, non. Sous vos vrais atours. Mais tu rigoles, c'est pas 19. Je rote pour bien faire comprendre que c'est moi. Ah, tu vois, ah, ça y est. Saucisson à l'ail caractéristique, ma chère. Ah, vous bon, voyez, je vois. Ça sent encore un peu le toum, je pense. Ça sent encore un peu le toum. Donc, du coup... Petit... Vas-y. Vous allez arriver à l'arbalète, parce que je suppose que c'est là-bas que vous alliez. Pendant ce temps, vu que vous avez fait un petit détour par le marché pour rhabiller 19 et le temps de vous laver, etc., de vous rafraîchir, Jotun aura tenté de voler la soie la plus pure. Donc, on va voir s'il y arrive. Il va se faire prendre, il va finir en prison. Il va nous dénoncer. Ah, je bien, Joe, bien. Il va dire c'est elle qui m'a demandé. Ah, 51, j'espère qu'il a plus de 50 en vol quand même. Parce que... Et à 65. 31, moi. Ah, ouais, bah, il est pas... ah, c'est tout. C'est une brèle, surtout. Ah, c'est ce que j'avais dit. Ouais, il est mauvais. Ouais, 65, c'est un bon score. Hein. Ça reste un PNJ. J'ai autant que lui. Ah oui, t'es un héros, c'est pareil. Ah oui, c'est vrai. Je suis une héroïne. Voilà. S'il te plaît. Donc du coup, vous arrivez devant l'arbalète et Jotun vous attend. Et il dit, votre ami 19 est pas là. J'ai ça pour elle, m'a demandé. Mais c'est je lui arrache le cher. Truc un peu fâché, je lui arrache le truc de la main. Arrête de me prendre pour une imbécile. Après, on va parler aux dames, Joe. Pardon, je vous avais pas reconnu. Vous avez changé quelque chose, non? C'est vos cheveux, non? C'est ça? Ça y est, t'as le bébé pour toi, c'est le moment. Ouais, c'est mes cheveux. Ouais, ça se trouve, c'est la prédiction qui se réalise. C'est un beau parti, 19. je les regarde l'un après l'autre, je lève les yeux au ciel. Et je dis... Bon, on en finit avec cette histoire de taverne, parce que maintenant que j'ai ma soif, faut que j'aille voir un prêtre. D'ailleurs, pourquoi t'avais besoin de soi? C'est pour ta nouvelle tenue? Oui, voilà. C'est important pour la tenue. Je file quand même à Jotun deux sceptres. Pourquoi tu le payes? Pas besoin. Parce que j'ai envie. Parce que... il a dit que ça serait pas gratuit. Voilà. Je file deux sceptres. D'accord, il te remercie et tu le vois. Il nous dit, bon, faites attention parce que Astrid, elle a quand même son petit caractère. Mais bon, je pense que ça devrait aller. Oui, ça devrait le faire. Il faut qu'on passe livrer notre sperme de baleine avant de... Ah oui, c'est vrai. Non? Ouais, mais c'est à l'autre bout de la ville. Mais non, c'est au même endroit. Ah non, c'est là. C'est ici. Là. C'est à l'arbalète. C'est à l'arbalète. C'est à l'arbalète aussi? Ouais. C'est pas le truc non, de non, c'est gourmandise qui veut du sperme de baleine. Bah oui, elle est dans le quartier des nobles, gourmandise. Oui, à l'arbalète, ici. À l'arbalète, ici. Vous faites une rechute. Pardon, j'ai oublié. Bah, c'est bon, je connais pas Arya par cœur. Hein. Non. C'est le tour.
Donc vous rentrez dans l'arbalète, vous êtes accueilli par la tavernière, Margot, qui est très bien habillée, presque noble, mais c'est pas une noble en fait, mais bon, vu le standing de là où vous êtes rentré, c'est autre chose que les bouches que vous avez connues jusque maintenant. Et elle vous dit, mes seigneurs, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? On est en plein milieu de la journée, on est l'après-midi ? Ouais, vous êtes dans l'après-midi. Ok. Bonjour. On cherche Gourmandise, on a une livraison pour elle. Gourmandise ? Oui. Vous la connaissez ? Oui. Oui. Malheureusement, Gourmandise n'est pas là. Et elle reviendra plus. Pourquoi ? Pourquoi cela ? Bah écoutez, j'aime pas trop en parler parce que, bon. Gourmandise s'est fait arrêter par la garde. Pourquoi ? Il semble que c'était le passé. Cette jeune femme avait l'air saine d'esprit. Ouais, saine d'esprit, mais apparemment, elle a tenté d'empoisonner notre bon roi Blaise. Eh bien ? Il est allergique au sperme de baleine. Quoi ? Il parle de notre livraison. Ah, parce que moi je sors la bouteille d'un litre. Oh, parce qu'à l'origine on devait lui apporter ça. C'est son ingrédient secret pour le gâteau du roi. Et... Vous voulez dire que c'est du poison ? Mais je ne sais pas, c'est vous qui la fournissez en. En sperme de baleine ? Ouais. C'est une commission exceptionnelle. Nous n'avons jamais travaillé pour elle. Nous lui avons amené du poivre de son père. Nous sommes des amis, en fait. Et elle nous l'a demandé. Oh, amis, aucun amis, poison. Amis, c'est vite dit. Hein. Moi, je ne la connais que 10 minutes. Non, moi, c'est pas mon ami. Si j'étais vous, je le crierais pas trop fort. Hein, parce que oui, vous pourriez vite passer pour des complices, ami. Surtout que, apparemment, vous lui livrez des ingrédients. On vient à peine d'arriver à venir. Vous voulez pas du sperme de baleine ? Parce que maintenant j'ai un litre, je sais pas quoi en faire. Non, moi je sais pas quoi faire avec ça. Et franchement, j'en mettrai pas dans ce que je sers à mes clients. Ah bon ? C'est pas bon le sperme c'est de pas baleine. Une sorte d'huile qui permet de donner un goût particulier ? Écoutez, je vous propose d'essayer, vous me direz. Mais sinon, vous buvez, vous mangez parce que, oui, vous alors savez, moi, je voudrais boire quelque chose, mais on veut voir... Je sais plus. Peut-être. Comment elle s'appelle ? Heisenberg, dis-moi tout. Comment s'appelle-t-elle ? Ah oui, c'est vrai. Astrid ? Astrid. C'est ça, exactement. Astrid. C'est Astrid. On voudrait voir Astrid. Vous connaissez une de vos clientes ? Oui, bien sûr. Elle te désigne une table du fond. Et là-bas, il y a une femme, une jeune femme blonde aux cheveux très courts, très richement vêtue. Elle décolle pas les yeux de sa truite. Et elle est en train de manger au fond toute seule. Et elle ressemble à ça. Oh, jolie jeune femme. Je demande à... On a la même teinte de cheveux. À l'aubergiste. Ouais. Bah, maintenant que je suis lavé, je dois pas être trop loin non plus de cette couleur-là. Mais c'est plutôt blond platine. Je demande à l'aubergiste si vous pouvez nous servir un verre et servir un verre de ce qu'elle boit d'habitude en même temps. S'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de souci. Donc ça sera 5 orbes pour le verre. Pour moi, je m'éloigne 4, du comptoir. Bien sûr. Je regarde un peu aux alentours. C'est joli. Hein. Ouais, moi, je fais un geste de la tête. C'est... La femme aux cheveux blancs qui paye. Et je vais vers la table. J'ai même pas assez pour payer. Tu sais pas y faire. J'ai dit que j'étais parti. J'ai dit que je m'éloignais du comptoir. Donc Ah bah oui, mais moi, je vais montrer du doigt. Hein. Moi, je vais droit. Moi, je regarde. Il a pleuré, il se déperde. Je regarde la décoration comme ça de la salle. On était en elle a dit combien déjà ? 5 orbes. 5 orbes. C'est, en fait, c'est une orbe par... Non, c'est 4 orbes, parce que c'est une orbe par boisson. C'est des larmes de la navigatrice, le meilleur vin D'accord, okay. qui vient de Vandermeer.
Moi, je vais droit vers la table. 4 orbes. De Astrid. 4 orbes. Donc tu fais quoi? Tu t'assois directement à sa table? Moi j'arrive, je dis bonjour. Elle lève les yeux vers toi, elle t'étudie. Oui? On vient pour une affaire. On peut s'asseoir. Tu vois qu'elle est pas... Je m'assois, je lui demande même pas son avis. Hein. Elle a pas l'air vraiment ravie, mais elle pose ses couverts. Elle te regarde. Je vous écoute. On nous a dit que s'il fallait voir quelqu'un, c'était vous dans cette ville. On vient vous voir. On a un petit différend avec des vendeurs de poissons. Et si on veut apparemment récupérer ce qu'on voudrait récupérer, l'idéal est de passer par vous. Donc on vient vous voir. Et qui vous a dit que je serais... Oh, qui nous a dit, c'est pas la question. Maintenant on est là, vous êtes là. L'important c'est l'avenir. Ah, vous même voir sans passer. Recommandation. Recommandation. Je suis pas sûr que c'est vraiment une recommandation quoi. Il est un peu boiteux quand même. Bon alors c'est Jotun. Jotun nous a parlé de vous. Il nous a dit d'ailleurs beaucoup de bien sur vous et. Il nous a dit que c'est à vous qu'on devait s'adresser si jamais on avait une requête à propos de quelque chose qui s'était fait enlever à quelqu'un. D'accord. Oui, quelque chose qu'on nous a volé, je lui ai dit. On nous a volé. Ah, vous voulez rencontrer le roi des voleurs, c'est ça? Bah, on veut racheter ce qu'on... Enfin, on veut récupérer ce qu'on nous a volé, quoi, en fait. Surtout, contre le roi des voleurs, c'est vous pour récupérer. Nous, on veut récupérer simplement ce qu'on nous a volé. Alors, sachez que si on vous a volé quelque chose, il n'y a qu'un moyen de le récupérer, c'est de négocier avec Rupert le requin lui-même, le roi des voleurs. Mais toutes les choses qui ont été volées lui reviennent? Bien sûr. Mais là, tel que vous êtes, vous ne pourrez pas rencontrer Rupert. Je suis pas assez bien habillé encore, parce que... C'est-à-dire? Non, c'est bon. Non, c'est plutôt, c'est-à-dire, seuls les voleurs peuvent rencontrer les voleurs. Ah, ça tombe bien. Hein. Vous êtes voleur? Il s'agit que de ça. Hein. Oh oui, à mes heures perdues, enfin, je fais de tout. Prouvez-le-moi. Oui, il a l'habitude de voler l'argent, surtout. Prouvez-le-moi, nous sommes sur la place des nobles. Sortez, volez quelque chose, et revenez avant que j'ai fini mon repas. Ah, ça marche, mais je me lève, mais je sors. Sortir. Tu te débrouilles. Ok, donc tu sors sur la place des nobles, et je vais te donner ta 3 possibilités. Donc tu as Dame Marilysia, une noble qui écoute un joueur de lutte. Elle a un bracelet serti d'une émeraude. Tu as Migo, un médecin, qui passe avec une valise. Donc à l'intérieur, il y a ses outils, des drogues, etc. Et tu as un diplomate d'Akaba qui fume un peu de tout sur Parvis de la Fontaine. Sa pipe en ivoire est gravée et de qualité exceptionnelle. Alors dis-moi qui tu veux essayer de voler et surtout comment tu veux le faire. Mm-hmm. Ouais. Bah, j'essaierai bien de voler le matos du médecin, mais pour moi, du coup. En entendant ça. Parce que t'es sorti avec lui, Hunt. Enfin, avec elle. Ah ouais, bah oui, je la suis. On va pas rester les yeux dans les yeux de la blondasse, là. Mais essayer de négocier des infos sur... Je me dis, tiens, ça tombe bien, je suis blessé. Un médecin. Stenberg. Appelle-le à l'aide. Et tourner son attention pendant qu'il me soigne. Je vais essayer de... Chipper un peu son maître docteur, maître docteur, par ici, une blessée. J'ai mal. Alors, j'ai été brûlé. Votre plan, c'est quoi? Qui fait le... Bah, moi, je suis blessé. Pour de vrai, en plus. Ok, t'es blessé et tu voles en même temps. Et oui. Ok, ça marche. Je me dis qu'il va ouvrir sa mallette, il va regarder ma main qui est blessée. Il va pas regarder forcément l'autre main qui
Ok. Donc au vu de... Enfin, je compte pas lui voler la mallette, en fait. Je compte lui voler des choses qu'elle contient. Tu vois. Ouais. Et puis il y a Fred avec moi, parce qu'il y a un truc qui prend de la place et qui peut me cacher aussi un peu, tu vois, qui peut détourner l'intention, parce que Fred, c'est assez imposant comme truc. Oui, c'est... Fred dans le quartier des nobles. Bah, Fred, il me suit depuis le début, hein, quartier des nobles, il est rentré avec nous dans l'auberge, il me suit partout. Hein. Oui, non, bah surtout ouais, maintenant, maintenant, avec les atours que tu portes, franchement, Fred, il y a plus grand monde qui lui lance des regards, à la limite ouais. Des regards amusés, parce que ça, on ouais. Prend ça pour une petite... excentricité. Excentricité. Voilà. Ça. Puis, hein, autant qu'on a droit de rentrer avec un Fred dans une auberge. Après, avec des animaux, je suis pas sûr. Hein, moi, je dis ça, je dis rien. Moi, si je vois une fiole en même temps dans la mallette du médecin, je vais peut-être tenter d'en rajouter, hein, quitte à faire échouer l'opération. On verra si je peux piquer une fiole. De toute façon, on va voir. Donc, le médecin à court. Surtout qu'il y a une noble qui a l'air vraiment pas bien. Qu'est-ce qui se passe Oh, regardez, elle se sent mal, la peau. Je lui montre ma brûlure. Regardez, je suis brûlé à la main. Ah, attendez, je vais... je dois pouvoir ranger ça. Il sort des fioles, il sort des bandages. Et il commence à te passer une crème sur la main. Donc, j'essaie de me mettre de manière, tu vois, à lui tendre la main, mais justement, je pousse un peu dans les tous les sens. Ah, mais vous me faites mal. Enfin, je fais la douillette pour essayer, si tu veux, de mettre en position adéquate. Pour, oh, c'est horrible. Pour mettre des fioles de côté, ou des instruments, enfin, ce que je peux, quoi. Grosso modo. Okay. Si je vois un objet en particulier, une fiole a l'air intéressante. Mais il a c'est normal cette couleur de peau. Il a un truc dont je me souviens plus le nom pour écouter le cœur aussi, tu vois. Ça a l'air assez avancé. Stéthoscope. Ouais, voilà. J'essaie stéthoscope. De lui voler son stéthoscope. Ouais, je fais tout pour détourner l'intention. Regardez, je pense qu'il y a un autre problème. Mon haleine, regardez. Oh, ça sent le saucisson à l'ail. C'est ignoble. Je dois pourrir de l'intérieur. Tu fais quoi toi, Heisenberg, exactement? Hein? Non, Heisenberg. Que fait-il? Moi, si je vois qu'elle vole pas de fiole, je vais en piquer une. Hein. D'accord. Et tu... Moi, je sais que Heisenberg veut une fiole. Hein. Si j'ai l'occasion de voler le stéthoscope et une fiole, je vais lui voler une fiole. Comme... Ok, alors je t'explique. Si tu voles qu'un seul truc, ça sera volé à plus 10... Parce que tu détournes l'attention, Heisenberg aussi, etc. Si tu essayes de voler deux trucs, ce sera un volé, mais vanilla. Juste ouais, vanilla. Vas-y. Machotum, il a 10% de moins que moi. Allez, vas-y. Sauf que moi, je fais pas moins de 90, donc c'est pas... Courage, 19. Oh, oui. C'est bon. Donc tu lui subtilises une fiole et son stéthoscope. Et en plus, double avantage, hein, il est en train de te passer une pommade un peu sur tes brûlures. En plus, il me soigne. Et donc, lui, il a 65 en guérir. Je vais lancer les dés. Et je vais avoir une haleine fraîche. Vous allez voir. Malheureusement... Ouais, vous me faites mal. Il sortait de l'arbalète il n'y a pas longtemps, il était encore un peu sous. Malheureusement, il comprend pas cette brûlure, elle a pas l'air normale. Et il arrive pas. Il dit ça va peut-être aller mieux avec ma crème, mais je suis désolé, je peux rien faire de plus. Ah, vous êtes qu'un charlatan. Je parle, vexé. Venez, mon cher ami. Nous allons faire un. Oh, ma pauvre, mais comment allons-nous réparer cette peau magnifique? Je mets la main sur moi. Je mets mon poignet sur mon front. Femme malade, oh, scandalisé. Vous n'auriez peut-être pas dû manger ces saucisses sur le porc. Donc vous repartez à l'arbalète. Bah oui. Bah ouais, après, je vais pas directement à l'arbalète. Hein. Je fais un petit tour pâté de maison. Hein. Parce que le temps que l'autre, il va se rendre compte, il monte mes objets. Hop, hop, hop. Et après, je vais à l'arbalète. Ils font leur cirque. Oui. Est-ce que je peux poser des questions à Astrid? Tu peux toujours essayer, mais quand elle a vu les autres partir, elle s'est replongée dans son assiette et elle mange. Ouais, c'est bon.
Astrid, j'avais juste encore quelques questions à propos de la personne, en fait, qui nous a dérobé nos biens. Oui. Est-ce que vous ne connaîtrez pas un jeune garçon? Comment il s'appelle déjà? L'assistant de l'autre, là. Utsain. Ouais. Non, c'est pas ça. Oui, si, je crois que c'est ça. Utsain? Non. Un assistant. Utsain. Ouais, j'ai marqué. Utsain? Non. Non, non, mais je vais... Ça, c'est quoi, Utsain? Je vais pas t'aider, et Astrid te regarde t'empêtrer dans tes explications, et franchement, elle dit... Votre ami est parti voler, pourquoi n'êtes-vous pas... Ça ne vous intéresse pas de retrouver l'objet? Mais si, mais il me fallait quelques informations en plus avant de vous confronter. Pour avoir des informations, je vous ai expliqué ce qu'il fallait faire maintenant. Si ça ne vous intéresse pas, j'aimerais finir mon repas. Très bien. Je crois que tu lui plais. Ben nous, on arrive, hein. Okay. Je te donne la fiole, je sais pas ce qu'elle contient, mais je te file la fiole. Merci. La j'aime bien. Ah, voilà. Vous aviez joué la comédie, mais comme professionnel. À mon avis, vous faisiez de théâtre quand vous étiez noble. Non, mais ouais, peut-être que j'ai suivi des cours de théâtre, hein, sûrement. J'ai vu des pièces avec des gars bien moins joués, moins bien joués. Hein, moi, j'ai toujours su que j'ai une part de... Je vais devenir une célébrité un jour. En théâtre, les planches... Le jonglage, cracher du feu. Quoi. Cracher du feu? Je connais quelqu'un qui pourrait vous conseiller. Non, alors, parce que elle, ça marche pas. Et vous, je vais finir en cendre. Alors, on va éviter. Un peu dilué, ça peut passer, je te jure. Non, il n'est pas question que je mette ça dans ma bouche. C'est vrai que c'est pas conseillé à la base, c'est vrai. Non. J'avoue que même moi, j'hésiterais un peu. Gargarisme. Déjà que je mange pas des saucisses sur le bord, moi. Alors en plus, boire votre mâche. Non, je suis pas suicidaire. Ah, bonjour Astrid. On parlait saucisses, mais... Bon, j'en ai encore un haut le cœur. Donc je vois et puis que... je pose le stéthoscope sur la table. Vous voulez peut-être écouter le cœur de mon ami, hein, rapidement. Ah, je vois que vous avez réussi. C'est pas mal. Bah, oui, c'est... Oui, enfin... Et encore, on était à un petit niveau. Oui, on a fait ça vite fait, hein. Voilà. Histoire 2, quoi. Bah, imaginez quand on est à... Quand on travaille à 3. Parce que bon, il y en a toujours qui tirent au flanc, mais quand on travaille à 3, voilà, on peut atteindre les sommets. Donc, vous avez fait vos preuves. Je consens à faire de vous une membre de la guilde des voleurs. Par contre, ne pensez pas que un simple vol d'un stéthoscope vous permettra de rencontrer tout de suite le roi de l'autre ville. Maintenant, vous êtes une voleuse. Servez bien notre cause. Et peut-être que dans un an, vous pourrez le rencontrer. Non, mais nous, on était venus pour... On n'était pas venus... Vous ne cherchez pas du travail, hein? On est bien d'accord. On n'est pas venus vous demander... Je sais pas... Je regarde mes compagnons. On lui a pas demandé du travail. Je crois pas. J'ai pas entendu ça, en tout cas. On est venu vous dire qu'on voulait racheter notre bien. D'accord. On est pas venu là pour demander du travail. Oui, j'ai bien compris. Mais pour pouvoir acheter notre bien, il faut déjà faire vos preuves, je vous l'ai dit. Et qu'est-ce que... Déjà, il va y avoir un problème, là, dans votre super plan ingénieux. Je doute que votre roi des voleurs, il garde les biens. On lui vole un an, un jour et une heure. C'est pas les objets perdus. Au cas où, s'il y a quelqu'un qui rentre dans la guilde à ce moment-là, puisse le réclamer dans un an. Écoutez, vous voulez vraiment rencontrer rapidement Rupert le requin? Exactement. Ah, je savais que vous étiez une fille. Vous comprenez vite. Faut expliquer longtemps, mais vous comprenez vite. Alors, écoutez-moi. Le roi sous la ville aime les informations et les gens d'importance. Réalisez un exploit en son nom, et vous pourrez le rencontrer. Et par exploit, j'attends quelque chose d'exceptionnel, de quasi impossible. Mais si vous vous révélez aussi fort et opiniâtre que vous semblez l'être, j'ai probablement quelque chose pour vous. Ça vous intéresse ?
Dites, ah non, 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 mais on n'a pas le choix. Donc, on, voilà. Donc, allez-y. Alors, je vous explique. Ce soir, au manoir Tréherne, il y a une soirée costumée thématique sur invitation seulement. Tous les nobles sont bien sûr invités. J'ai besoin que l'on fasse boire le contenu de ce flacon. Et elle te sort un flacon, bien sûr, qu'elle pose sur la table. Oui. À Clémo Tréherne, à minuit moins une exactement. Jotun est supposé s'en charger. Mais si vous vous en sentez capable, il pourrait être que le plan B. Si vous acceptez, voici la fiole. Je vous retrouverai à 2h du matin sur le palier de l'orangerie du manoir pour constater votre succès. En cas d'échec, ne vous présentez pas devant moi. Bien sûr. J'ai rien compris. Si on fait ça, vous nous amènerez auprès du rue. On fait boire la fiole au monsieur à minuit moins une. Minuit moins une. Minuit moins une. Il faut qu'il la boive à minuit moins une. C'est ça, il faut qu'il boive le contenu de cette fiole. Pas à moins deux, à moins une, quoi. À moins une. Ah bon, compliqué quand même. Oh, c'est pas sympa. Vous aurez besoin de découvrir le thème de la soirée et bien sûr de trouver une invitation. Mmh. C'est pas gagné, quoi. Et nous allons nous y atteler, ma chère. Ouais. Si on fait ça, vous nous amenez bien auprès de du requin. Bien sûr, sur le champ. Oui, parce que c'est pas après. Si, maintenant c'est bien, mais il faut travailler 6 mois. Ou... D'accord. Je n'ai qu'une parole. Bon, eh bien. Eh bien, à ce soir. Elle me laisse le stéthoscope ou... Ouais, garder. Ouais, ouais. Elle me donne la fiole aussi. Ouais. Elle la donne à qui? Bah, elle est sur la table. Qui la veut la prendre? Je la prends. La fiole? Bah, la fiole, je l'avais donnée à Heisenberg. Non, 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 la fiole qu'il faut faire boire au. Clémo Tréherne. Tréherne. Tréherne, oui. Ça vous dit rien, vous? Bah, tu sais, nous, Aria, les nobles. Non, mais je sais pas, c'est pas une potion que tu connais, le Tréherne. Ça ressemble pas à de la volaille fatale. Ça n'a pas la couleur. Ça me dit quelque chose. Ni l'odeur. C'est pas l'odeur du poulet rôti. Mais quoi? Pardon, Kaya? Ça me dit quelque chose? Ah non, si quelqu'un peut savoir ce qu'il y a dans la fiole, c'est l'alchimiste. Bah, je vais essayer de regarder, mais bon, comme ça, je sens un petit peu. Vas-y, identifie une substance. Je parlais de la personne, en fait, qu'on est censé tuer. Non. Non, c'est pas un truc que je connais. Clémo Tréherne, fais-moi une connaissance des secrets, il y a peut-être moyen que tu connaisses. Ouais, t'en as déjà entendu parler, c'est la famille la plus riche d'Aria, et la plus puissante après la famille royale. Donc que faites-vous? Vous êtes devant l'arbalète. Je regarde les gens là devant l'arbalète. Et quelle heure? Ouais, vous commencez à être arrivé à fin d'après-midi. Il y a toujours les personnes que, de tout à l'heure, à part le voleur, à part le médecin. Oh, de toute façon, la place est pleine de nobles, hein. Il y a des gens qui écoutent le joueur de lutte, il y a des gens qui se prélassent au bord de la fontaine. C'est la belle vie ici. Elle est. Bon. Bah, j'essaie d'observer s'il y a une personne seule, peut-être. Soit un homme, soit une femme qui semble un noble présent, mais qui semble seul. Ouais, bah, y a pas de souci, hein. Tu vas repérer une femme un peu sur le côté. Elle écoute le joueur de lutte, mais elle est un peu isolée par rapport au reste du groupe. Je pousse du coude à Heisenberg. Hey, on a roule de gloire. Oui, plaît-il. Bah... Tu vas prêter cette charmante demoiselle, tu lui fais un sourire, tu lui parles de la soirée, de ce soir. Ah, vous voulez que j'attende ça? Avec plaisir. Ah, parce que si j'y vais et que tu lui rotes la figure, mon ami va pas apprécier. Hein. Eh bien. Ouais. Je doute que Kairi soit de son goût, mais peut-être. Hein. Je ne connais pas les goûts de la noblesse derrière.
Trouver un proche de cette belle dame, alors, en m'éventant avec mon parchemin de bière gratuite plié dans le sens où on ne voit pas les écritures. Donc tu t'approches. Donc bah, c'est une noble assez jolie, blonde. Tu vois qu'elle a une petite particularité, elle a les yeux verrous. Et ça me dit quelque chose, genre c'est des gens qui crachent du feu, elle va me transformer en spectre immédiatement ? Non, non, elle a juste les yeux verrous. Très bien. Enchanté, jeune dame. Bonjour. Il fait un peu chaud pour cette saison, non ? C'est étrange. Oui, oui, c'est vrai. Écoutez, je cherche quelqu'un qui pourrait me sortir d'un mauvais pas. Je suis sûr qu'une personne aussi radieuse que vous, et avec une aura aussi impressionnante, pourra m'aider facilement. Dites-moi, tu vois qu'elle rougit un peu. Eh bien, figurez-vous. Je pense que vous êtes vous aussi invité à la soirée de ce fameux Clémotherme. Pardon. Clémotherme, mais... bien sûr, bien sûr. Ces soirées sont les meilleures de tout Aria. Eh bien, figurez-vous que mon cousin, cet imbécile, a fait le jeu de me voler mon invitation et de me la cacher pour que je ne connaisse pas le thème de la soirée avant la soirée, que je me ridiculise en y allant. Je cherche donc une bonne âme qui pourra me dépanner des farces de ce diablotin. Vous savez comment sont les enfants quand ils sont jeunes. Pas moyen de le raisonner. Oui, l'éducation n'est plus ce qu'elle était. Oui, bien sûr, je comprends bien, mais... les soirées de Clémotherme sont toutes les mêmes, vous savez, ce soir... Le thème, c'est l'extravagance. Bien sûr, comme d'habitude, non ? Et moi qui avais peur que ça change. Bien sûr, comme d'habitude. Donc est-ce que je vous verrai à la soirée ? Je m'appelle Bien sûr, ma chère. Enchanté. Mon nom est Gérald Heisenberg. Enchanté, je fais un baise-main. Elle doit voir que ma tenue est un peu élimée sur les bords, mais bon, c'est pas grave. je ne peux absolument pas voir si elle dispose de son invitation quelque part, hein, évidemment. Non, bah elle est en robe. Elle a peur d'avoir quelque part où la cacher. Très bien. Je sais au moins le thème de la soirée. Je lui fais le baise-main et puis je reviens voir mes amis. Elle te dit à ce soir, monsieur Gérald. À ce soir. Nous allons follement nous amuser. Alors, le thème, c'est l'extravagance, les amis. C'est étrange. Ah, je suis déjà pas assez extravagante comme ça. Même je pas pense surprise. Que même dans ton ancienne tenue, tu serais plus dans le thème. Ah bah, s'il faut. Je les ai gardés, mes vieilles frusques. Après, j'avais une idée. Je vais attirer l'attention de trois nobles qui sont dans le coin en essayant de leur faire cracher le morceau pour voir s'ils sont invités ou pas. Et vous, en attendant, vous essayez de voir déjà s'ils ont leur invitation sur eux et de leur prendre. Ouais, mais enfin, qu'ils soient invités, j'en doute pas. Hein. À peu près tous les nobles, comme elle a dit, à peu près tous les nobles doivent être invités. Le seul problème, c'est que après les prendre, ta technique signifie quand même un peu de les dessaper, hein, parce que le vol à la tire, je peux m'y tenter, mais le vol à la tire sans savoir vraiment si ce que je veux voler est dans leur poche, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, mais alors, c'est quand même incertain. Ouais, surtout, je vous dis quand même, vous êtes sur la place des nobles, il y a des gardes. Hein. Ouais, il doit y avoir des gardes, c'est ce que j'allais dire. Tout à l'heure, ça s'est bien passé, des bougés, mais voilà. Vous pensez pas qu'on pourrait connaître peut-être un faussaire parmi tous les gens qu'on a rencontrés là ou dans Moi je pensais. Alors Mousse il dit oui, vous connaissez un faussaire. Tu connais un faussaire toi? Bah oui. Le César Costa il vous l'a dit. Ah oui. Yacine là, il fait des papiers. Il fait des papiers sauf qu'on n'a pas de papiers. On sait pas à quoi ressemble là. Par contre j'en connais un qui sait à quoi ressemble. Yacine, c'est celui qui nous a piqué notre truc, non ? Non. Si. Yacine, c'est celui qui a traduit le truc. Non. Yacine, c'est celui qui vous a volé. Celui qui vous a traduit, c'est Mujahid al-Soufi. Ouais, c'est ça, ouais. Oh là là. Je les confonds tous. Mais Yacine, franchement,
Si je l'ai devant moi... Ah pardon, moi voilà, je pensais que... Parce que tu sais où le trouver, toi. Bah, je sais pas, il y a sa boutique. Il y a Yacine. Il a pas... C'est pas dans sa boutique, là-bas. On y est allé la dernière fois. C'est pas qui nous a volé, Mousse. Ah si. Je pense pas qu'il soit dans la boutique, hein. Non, bon, je sais pas, moi je dis ça comme ça, vous savez. Bah on peut aller voir, hein. Ouais, après moi je disais, ça a l'air un peu bête, mais il y en a un qui doit avoir une invitation. Jotun, si c'est le plan B. On peut lui demander comment il avait prévu de faire, en tout cas. Ça peut être pas mal. Après, comment on peut trouver... Jotun n'est plus là ? Non, Jotun, il est parti. Il n'était pas tombé à fond sur mon charme et il m'attendait désespérément par hasard. Il était parti tout à l'heure. Alors d'habitude, quand je lance mon point au hasard dans la foule, il apparaît. Et je ne suis pas sûr que ce soit scientifiquement reproductible. J'en suis pas sûr, mon cher. Tu fermes les yeux, tu vas faire trois fois le tour de toi-même, tu sais, un peu pour perdre ton orientation. Tu vas frapper la première personne que tu vois. Je suis sûr que ce sera Jotun. Sur un moins, sur un 10 ou moins, vous le voyez. En jet de perception. Ah, c'est instant. On le jette tous ou une seule personne? Oui, vous pouvez tous le jeter. Un jet de perception, t'as dit? Non. Ah, tout. On est en train de gâcher des succès pour rien. En général, pourtant, c'est toujours. C'est toujours ce genre de jet que dit le MJ en se disant que ça va pas être possible. Et... Non, malheureusement, Jotun est parti depuis trop longtemps, vous le voyez pas. Bon, ben... Ou alors... On peut redemander comment on peut faire pour avoir des invitations pour ce soir. Mon cher Heisenberg. Ah oui. Ben, vous êtes invité chez cette charmante demoiselle. On lui vole son invitation. Parce que, bon... Ben, le problème, c'est que si on est une seule personne à être invité... Je vais aller demander à quelqu'un sur la place là comment est-ce qu'on peut être invité à cette soirée. Je suis noble, mais je suis pas de la ville. Tu vois, c'est possible ça. J'aborde un gentilhomme. Ah non, ouais, tu peux pas. J'allais dire va aborder la même femme. Bah non. Une pipe au cul. Compliqué. Donc tu trouves, un noble facilement. Donc un mec assez costaud. Tu vois, il y a une petite marque de naissance sur la joue. Il s'appelle Monsieur Siram. Et, il dit bonjour. Bonjour, monseigneur. Bonjour. Excusez-moi, je suis nouveau dans cette ville et j'ai entendu parler de soirées qui m'ont l'air, ma foi, fort truculentes, auxquelles seule une bonne société était invitée. La soirée de Clémotrière. Exactement. Ah, ça va être génial. Et est-ce que vous savez si seuls les nobles d'Aria sont invités ou si nous pourrions postuler pour en voir une avant de s'en aller de cette ville? Ce serait quand même dommage. Pas d'invitation. Ma copine, je ne connaissais pas ça. Je passe mon bras sous le bras d'Heisenberg et je fais « Oui, nous sommes en voyage de noces et du coup, on est en voyage à Aria et en fait, on a entendu parler de cette soirée et malheureusement, vu qu'on ne connaît pas vraiment cette famille, on aurait bien aimé pouvoir en profiter un peu avant de repartir. » Exactement, mais nous allons y arriver, mon chou, ne t'inquiète pas. Ah bah écoutez, moi, j'ai peut-être quelque chose. Donc, vous allez près du marché de Gros, il y a une taverne, ça s'appelle le Calisson Gouléant. Et dans cette taverne, il y a souvent le seigneur Beaumont-Bressuire. Donc ce seigneur-là, il est invité à toutes les soirées. Il y va jamais. Ouais. Il va jamais aux soirées, mais il a forcément des invitations. Peut-être qu'il voudra bien vous les céder. Bien, nous allons aller voir ça. C'est une très bonne indication. Je vous remercie. C'est vrai que... En fait, on est en voyage de noces, mais... Notre fille va bientôt arriver et en fait, il nous faudrait trois invitations pour trois personnes normalement. Vous inquiétez pas, lui, il a une famille, ils sont au moins 15, donc des invitations, il y en a tout le tour du vent. Sauvez la vie, mon cher. J'imagine que si nous réussissons, nous nous reverrons ce soir.
Ah oui, bah, j'espère bien. J'ai fait une grande révérence. Et... Venez, mon chou, éloignons-nous. Je suis assez... J'aimerais vraiment voir ce que vous allez porter. Vous connaissez le thème. Oh, ça... je suis réputé pour mes parures dans ma ville. D'accord, bah, j'attends avec impatience. Et vous? Je lui ai dit, c'est... pourquoi c'est quoi le thème? Et t'es pas venu avec nous, toi? Bah, je suis juste à côté, moi. C'est quoi le thème? Ah, mais le thème, mais c'est l'extravagance, bien sûr. Oui. Ah, ouais. Je me méfie. Parce... Moi, je vais venir avec un costume à plumes des plus beaux effets. Moi, ma femme est déjà extra, donc... Restera. Pourquoi vous l'avez commandé où, votre costume à plumes? Ah bah, à la guilde des... La guilde des... Attends, comment ça s'appelle des ça? Des plumiers, quoi. Non. Ceux qui font des fringues, comment ça s'appelle? Des couturiers. Ah, c'est ça, la guilde des tailleurs, bien sûr, sur la colline creuse. Ah, d'accord. Merci beaucoup pour vos conseils, messieurs. Eh ben, j'espère à ce soir. À ce soir? Moi, je lui lève la main, comme si je disais « Salut, poteau ». Et... Et puis, bon, et c'est où le calisson Gouléon? Gouléon? Eh ben, c'est juste quelque part par là. C'est juste sur la place? Non, juste derrière, ouais, sur la colline creuse, à côté du marché de gros, en fait. Là où il y a toutes les guildes. Ouais, d'accord, donc justement. On peut faire d'une pierre deux coups, en fait. Ouais, parce que moi, je disais, tu vois, s'il a pas été livré de son costume, ça peut être intéressant, compliqué, hein. On va trouver où des costumes friolons hein. Bah, la guilde. Des tailleurs. C'est chiant. Oui, bah pour une fois, tu pourrais un peu nous aider, hein. Pourquoi? Je t'ai déjà aidé, regarde comment je me suis frustré, rien que pour vous. Hein. Financièrement parlant. Je me suis lavé pour vous. Alors, financièrement, bah, je l'ai payé tout ça, hein, tenu... Ça gratte en plus. Ah, je paierai à Eisenberg et pas toi, tu te débrouilles. Vous allez à la taverne? On va au colissant Gouillant là. Donc vous trouvez assez facilement. Donc effectivement, au fond de la taverne, vous voyez un gros homme barbu, richement vêtu, qui est en train de boire une bière et qui a l'air de s'ennuyer sévèrement. Proche de lui, on y va. On me dit qu'un, je me dis qu'un alcoolique, ça va être forcément quelqu'un de bien. Non, mais on peut faire le même cinéma. Oh non, faut y aller franco. Ça a l'air d'être un bon gars qui picole dans les tavernes. Je sais pas, faut y aller franc du collier. Hein. Moi, je suis sûr que je vais bien l'aimer. Il a une tête, regarde, il est un peu rouge du visage, il est bien costaud. Ça, c'est le genre de personne, je suis sûr que je vais bien l'aimer. Donc, qu'est-ce que vous lui dites à ce bon... Je lui dis bonjour. Beaumont. Bonjour. Bah, vous avez l'air bien déprimé. Ouais. La vie m'ennuie. Bah, regardez, moi j'ai un Fred. Vous avez déjà vu un Fred? J'ai un Fred. Votre automate? Ouais, j'en ai déjà vu. Venez avec... Vous avez des invitations, on nous a dit. Ouais, des invitations. Soirée. Pour. Oh, la soirée pour claire. La soirée. Ouais, c'est ouais. Bon. C'est toujours la même chose, ça boit, ça arrive. Venez avec nous, il y a toujours de l'ambiance. Oh non, moi je vais pas là-bas, non. Pourquoi vous ennuyez autant? Ouais, j'ai tout vu, j'ai tout fait, mais non. Il n'y a plus rien qui me. Plus rien qui m'amuse. Oh bah vous inquiétez pas, avec nous vous vous amuserez bien. On n'est pas d'ici en fait. Vous avez déjà fumé du toum? Oh oui, le toum. Parce du que le toum, avec le toum, je vous dis, on s'ennuie pas. Ah bah du toum, j'en ai fumé, ça me fait plus rien. Ah, c'est vrai que c'est ennuyant. Et alors, est-ce que vos invitations, vous les vendez ou vous les donnez ou les distribuez? Vous voulez des invitations? Ouais. On va bien y aller. Bah écoutez, ouais. On est sympa. Non mais après, on va vous demander un truc, mais... Ouais, voilà. Dites-moi. Alors moi, on m'a dit récemment que j'étais très bonne actrice. J'y crois pas trop. Je pensais que c'était surtout de la politesse.
peut essayer de chanter. Trouvez quelque chose que je sais pas. Montrez-moi quelque chose que j'ai jamais vu. Je lui montre ma main. Vous avez déjà vu ça? Bah, une main avec une brûlure, ouais. Ouais, mais il y a une croix dedans. Bougez pas. Je cherche dans ma besace. Et je sors en fait l'œuf de Wyvern. Je fais, et ça? Vous en avez déjà vu? Bah, un œuf de dragon. Enfin, un œuf de vouivre, ouais. Ça intéresserait peut-être l'Académie des Mages, si vous voulez y aller, mais moi, je peux pas faire grand-chose avec ça. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir jamais vu? Je trouve dans mon bar, là. Qu'est-ce qu'il pourrait jamais avoir? Je lui sors une couronne. J'ai une couronne en ferraille. Je me souviens, vous avez déjà vu ça? Bah, c'est un bout de ferraille, quoi. Ah non, vous allez pas faire quelque chose essayer de la faire volter au-dessus de son assiette avec ses couverts en fer et tout. Ouais. Je fais de l'équilibre sur Fred, je sais pas. Attention. Attention quand pas, hein. Ah, ah voilà. Et bah, tu vas te rétamer. On va le buter. Donc, Heisenberg fait voler une fourchette de l'autre côté de la taverne. Et ça frôle la tête de ce cher monsieur Beaumont. Je dis, mais vous êtes fou, quoi. Qu'est-ce que vous faites Ça vous distrait pas, ça? Regardez le danger, le frisson de l'inconnu, mon cher. Ah, ouais, ça aurait pu être marrant, ouais, si vous aviez réussi à les faire danser ou quelque chose. C'est ce que je voulais faire, mais que voulez-vous? Je débute dans le métier. Est-ce que, sans pour autant faire de flamme, je peux faire chauffer ma main et faire fondre un objet? Ben non. C'est pas possible. Sans faire, juste en chauffant, quoi. Oui, tu feras un jet. Tu peux, mais c'est un jet. Oh si, j'ai une idée. Monsieur Beaumont. Oui. Vous auriez pas un verre d'eau, des fois? Non, moi, vous savez, de l'eau. Un verre. Je chope une chope vide sur le comptoir d'à côté, je lui pose. Et oh là là, il faut tout lui apprendre. Alors, je vais poser ma main, en fait, la paume de ma main sur le goulot de la chope, en fait, pour essayer de la recouvrir. Et avec mon autre main, je vais couvrir le verre pour le cacher, en fait. D'accord. Donc. Je lui dis, vous voulez pas un petit tour de magie des fois? Allez-y, ça peut m'intéresser. Je pose mes deux mains. Ouais. Une pour cacher et une pour remplir. Je vais faire couler de l'eau en fait de ma main et remplir la chope au maximum tout en la cachant. Et je fais abracadabra. Et j'enlève mes mains et je fais tada! Ouais, pas mal. Vous avez fait ça comment? Vous aviez une réserve dans votre manche? Non, mais j'ai pas de manche. Enfin, si, j'ai des manches, mais elles sont toujours relevées. Si vous voulez, je le refais avec les manches relevées. Hein. Si vous voulez comprendre le truc, mais un magicien ne révèle jamais ses secrets. Alors, autrement, elle arrive à manger des saucisses invariées. Oh, il est au parc, il est douce. Elle a un coup de pied sous la table. Tu vas me faire un G de mentir convaincre à plus 10, s'il te plaît. C'est pas mal, mais... Convaincre? Non, mais c'est une blague. Il me reste moi. Moi, je peux vous proposer... Désespéré. Je peux vous chanter une chanson en roton. Voilà, mais c'est original, je suis sûr qu'il n'y avait pas grand monde qui voulait faire hein, ça. Même. Quelqu'un avec une tenue aussi noble qui vous chante une chanson en roton. Et puis j'y vais gaiement. Mais c'est dans le prix du désespoir, quoi. Même un automate ne le surprend pas. Alors, je me dis que lui, fabriquer un automate ne va pas le surprendre plus que ça. Je tente le tout pour le tout. Ouais, vas-y. Tu peux faire un test de quoi? Écoute, tu vas faire un jet de mentir convaincre? Je suis pas très haut. Hein.
Ouais. Tu fais moins 10 encore, non, quand même. Non, je vais être gentil, non. Ah, c'est pas de beaucoup, hein. 6, quoi. Tous ces efforts. Bon, écoutez, bon. Je vois bien que vous faites des efforts. Vous échangez les invitations contre votre automate. Ah non, bah alors, mon vieux, tu rêves. Je croyais que vous en aviez déjà vu. J'en ai déjà vu, mais j'en ai pas à moi. Ah, vous voulez un automate? Je vous vends un automate. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tout le temps. Elle peut même vous le faire sur mesure. Ouais. Pas mon Fred. Je vous fais un automate. Je vous le vends. Sinon, une bonne baston de taverne, peut-être ça le... Mon cher monsieur, c'est pas commun ce que je vous propose. Je vous rappelle que... Je dis ça tout bas, discrètement. Je vous rappelle que... Vu que vous n'avez plus rien de vous surprend. Vous savez que vendre un automate, c'est puni de mort. Je sais. Donc, je vous propose quand même quelque chose de haut niveau, quoi. Bon, après, ça sera pas le premier. Ça me peine pas. C'est un petit singe avec des symboles qui fait tit tit. Dans le temps imparti, je vais pas lui faire un automate de géant. Hein. Voilà le deal. Un petit scarabée qui court. Hein. Vous me faites un automate gratuitement. Et je vous donne les invitations. Ah bah ouais, à ce prix-là, oui, c'est cher payé. D'accord. T'es d'accord, disons. D'accord. Ah d'accord, ça te coûte rien, toi. Bah non, je pense que mieux pour une fois. C'est peu monnayer les talents incomparables de cette chère 19. Oui, on en a quand même besoin. Pour un automate, il va falloir quand même... Vous pouvez pas rajouter un petit plus, quand même. Hein. Sérieusement. Ouais. Ouais. Au moins, parce que... Vous voyez, un automate. Là, j'en ai pas un sous la main. Il va me falloir des pièces. Ça va avoir un coût autre. Aussi. Enfin, c'est mon offre. L'invitation. Oh, c'est cher payé. Hein. Ouais, bon. Vous bougez pas. Hein. Restez picolé. Oh oui, moi, vous savez, vous pouvez me trouver là. Je vais pas loin. Ah, vous voulez pas à la place une pierre de lumière? J'ai ça dans la. Je sais même pas ce que ça fait. Si ça fait de la lumière. Non, merci. Ce sera un automate. Pour rien. Oh, je sors. Oh là là. Je vous laisse n'importe quoi, pas besoin de quelque chose de gros. Ouais, on vous aurez pas quelque chose de gros. Alors ? Tu veux lui faire un truc tout pourri ? Mais oui, tu lui fais un truc qui mettra 2 jours et puis voilà. C'est pas la question en fait. La question, c'est que. C'est même pas une question financière. Je te dis, c'est cher. Ça aurait pas été un problème. Ça pose 2 petits soucis. Bon, le premier, il faut un cristal pour qu'il marche. Ouais, ça c'est rare. Et cristal, disons la pierre que. J'ai pas. Mais non, il faut un cristal de Plika. J'en ai. C'est la question. C'est-à-dire qu'on va pas. Enfin, je suis quand même. C'est pas le genre de choses qu'on trouve à tous les coins de rue. Enfin, surtout à Aria. À Plika, c'est différent. Ouais, mais les habitations non plus, on n'en trouve pas à tous les coins de rue. Eh ben oui, et bon. Disons que je peux lui faire. Mais disons que si on peut tenter une autre solution et que ça, c'était le plan B, ça m'arrange. Non, pas de plan B. Bah. Voler une invitation. Aller avec Mouse voir pour une. Comment on peut faire pour avoir une copie. Et puis l'autre souci, c'est pas du pipeau quoi. Comment vous dire, vendre le tomate, Nika, c'est puni de mort. Tu le vends pas, tu le. Ouais, c'est pareil. C'est on le vend contre un truc, mais en fait, Nika, ce tomate, faut que ça reste. Toi, tu connais pas trop Nika, ma chère Kairis. Non, tu alors, il y a les gens comme moi, tu vois. Donc, c'est les gens comme moi. Puis il y a les gens comme ce cher Heisenberg, qui sont en haut du gratin. Heisenberg est un peu une exception. Et puis il y a l'autre groupe, qu'on appelle Guilde des Assassins. Le genre de personnes que t'aimes te mettre à dos. Et quand tu vends des automates,
C'est eux qui viennent te chercher. Et ici, ils sont là, ici ? Ah, les assassins, disons que les frontières, c'est pas trop genre. Donc, dans l'immédiat, je t'explique. Si on peut trouver une autre solution, ça marche. Si vraiment on n'a pas le choix, de toute façon, le vieux alcoolique, il va pas bouger de la journée de son calisson godillon. Et donc, on peut revenir. On peut revenir et je lui ferai son petit automate, je lui ferai son scarabée pourri, sa fourmi. Son... Après, si tu me donnes les pièces et que je trace la rune de golem, on peut en faire quelque chose. Ça sera pas un automate, mais ça va y ressembler. Non, je peux faire ça si je trace la rune sur un tas de ferraille. Le tas de ferraille, il va prendre vie. Ouais. Ça sera un golem, ouais. Ah ouais, on pourrait tenter le doubler, ouais. On pourrait tenter... Oh, bien pensé. Il faudrait peut-être, grâce à la pierre de lune verte, qu'on lui fasse croire qu'il y a une pierre de clinique à l'intérieur qui brille. Ah oui. On l'atteint un peu en orange. Oh, il y a peut-être moyen. Un peu de peinture dessus. Ah, voilà, on va acheter quelques ingrédients. J'aime bien cette idée. Oh là là, ça demande du bricolage aussi, de la magie. Ah là, j'aime bien. J'aime bien. Ah, tu vois, ça mérite pas une petite temple. Ah, déjà, il faut acheter la teinture et acheter la ferraille. Et acheter... Alors, plan B, l'après-midi commence à être bien avancé. Donc, il vous reste à vous procurer des fringues. Bon, on est juste à côté. Voilà. Ouais. Et mettre à exécution ce plan avant le début de la soirée. Après, vous n'êtes pas obligé d'arriver à l'heure. Hein. Vous pouvez arriver. Faut pas arriver trop tard pour repérer les lieux, etc. Mais après, sur une forme d'automate, moi, je peux m'en occuper. Hein, c'est ce que je vous dis. Je peux m'en occuper, aller acheter ce qu'il faut pour que ça ressemble vraiment à un automate. Et pendant ce temps-là, vous achetez. Tenue extravagante. De toute façon, moi, les froufrous, c'est pas trop mon truc, je vous fais confiance. Tu me laisses un petit peu d'argent pour payer tout ça ? S'il te plaît. Je te regarde de la tête aux pieds. Est-ce que t'es vraiment à la dèche ? Oui, vraiment ! Ouais. Ah, d'accord. Je te donne... Ça coûte combien une parure comme ça, là ? Cap ? Eh ben, vous alliez y aller. Pour l'instant, on t'en sait rien. Ah, d'accord. Entre guillemets, c'est pas la dernière fois que t'as payé, j'ai sûrement jeté des petits coups d'œil sur ta bourse. T'as combien à peu près? Il me reste un sceptre, 4 orbes et 9 pièces de cuivre. Et après des pièces de fer, mais c'est vrai. J'aurais peut-être pas assez pour payer tout, en fait. C'est quand même... Je te file... Je dis, on veut être très extravagant. Je te file 3 couronnes. Avec 3 couronnes, couronne c'est chacun, 3 pièces d'or, c'est ça? Ouais. Aux pièces d'or. Ouais. Bah, je parfait. Dis, voilà. Merci, c'est gentil. C'est pas gentillesse, c'est parce que Heisenberg, il me fait pitié, là. J'ai jamais vu aussi pouilleux que dernièrement. Ouais. Ça va. Non, parce que là, on s'est joué à la nuit, quoi. C'était lui le mieux habillé. C'était le... Et maintenant, c'est le plus défraîchi de nous trois. Et oui, que voulez. La roue tourne, comme dit un grand philosophe de Nigan. Merci, 19. Alors, vous allez à la colline creuse. Vous arrivez chez le fripier, la fouine perdue. Il vous propose pour une orbe des grosses bagues en verroterie, des manteaux de fourrure, des pantalons courts, des gilets de couleur vive, des cuissardes de cuir rouge, une robe au motif léopard, des perruques immenses, des ceintures très larges, des sabots en beau bois, une couronne en fer, d'énormes médaillons en faux or, des jupes pour hommes, une cape de plumes blanches et des colliers de perles immenses. Et toi, pendant ce temps-là, 19, si tu veux aller chercher de la ferraille, tu vas trouver la guilde des ferrailleurs. Ah, je vais m'y plaire, moi. Et là-bas, pour même pas un sceptre, tu peux acheter ça va pas me coûter lourd. Non, tu peux acheter un kilo de ferraille pour un sceptre. Tu as tout ton bonheur, tout ce que tu veux pour un sceptre. Mais pour le coup, je pense que... Je vais acheter de la ferraille aussi en plus.
c'est de l'extravagant, je vais me faire une espèce de costume en ferraille. Je me dis, tiens, je prends l'espèce de tige en ferraille là, je vais me faire des antennes en ferraille, je vais être bien. Puis après tout, je vais m'habiller comme je m'habille d'habitude, je vais dire que c'est un déguisement. Et puis c'est super classe, j'ai mes lunettes de soudeur, et super. Donc je dépense deux orbes. Non, pas d'orbes, c'est... il te faudra acheter une brouette de ferraille pour dépenser deux orbes. Pour 4 sceptres, t'auras tout ce que tu veux. 4 pièces de cuivre. Ah. Ouais, d'accord. Donc les autres, dites-moi. Tu peux me répéter ce qu'il a à vendre ? Des grosses bagues. Je veux la cape blanche. Ouais. Et des jupes pour hommes. Ok. C'est qu'une énorme perruque. Ah, oh, moi je voulais la cape tenue. Mais tu peux en avoir une autre, hein. Il y en a plusieurs. Ah. Donc ça te fait 3 pièces d'argent, Heisenberg. Ah, moi je croyais que c'était. Ah oui, non, mais ça fait 3 pièces d'argent pour ce que prend Heisenberg. Après, qui paye ça, je dirais. Et non, mais je te paierai, on va faire une cagnotte totale. Je voulais juste savoir s'il a des robes un peu extravagantes, hormis des bijoux. Et une robe au motif léopard. Ouais, non. Bien être extravagante, mais quand même, faut pas exagérer. Y a quoi d'autre? Manteau de fourrure, pantalon court, gilet de couleur vive, cuissarde de cuir rouge, perruque immense, ceinture très large, sabots en bois, couronne en fer, d'énormes médaillons en faux or, des colliers de perles immenses. Je vais prendre pour 19, je vais prendre le manteau. Le pantalon court couleur vive et des médaillons. Et pour moi, je vais prendre les cuissardes rouges, une cape blanche et des bagues. Ok. Donc en tout, vous en avez pour 9 pièces d'argent. Donc même pas une couronne. Nickel, je vais pouvoir tout garder. 9 pièces d'argent. Ouais. Si je lui donne une couronne, ça couvre. Il me rend la monnaie. Ouais, ouais. Je lui donne une couronne. Il te rend une pièce d'argent. Donc 19, si tu veux faire une forme d'automate avec ta ferraille, donc tu vas me faire un artisan à construire, tu rajoutes plus 10 si tu t'aides de Fred. Bah oui. Il sert à ça principalement, je serais bien content de l'utiliser. Vas-y, dis-moi la forme que tu veux lui donner. Non, bah comme j'avais dit, je vais pas faire un gros truc en fait pour que vraiment que ça fasse réaliste, que ça soit... Voilà, comme si je lui faisais un espèce, comme je lui avais dit, un genre de petit scarabée. Je sais pas, alors soit là, grâce à la pierre de... de l'humeur que je mets dedans, ou si je trouve, si j'ai trouvé un truc chez les ferrailleurs qui conviendrait, pour faire croire qu'il y a une pierre de Klinka. Parce que je me dis, il a tout vu. Faut pas le prendre quand même pour un lapin de 2 semaines. Dit que faudrait au moins qu'il ait vraiment l'impression que c'est un automate, quoi. Ouais, ouais, bah tu mets la pierre de l'univers dedans, et du coup, pour l'instant, il bouge pas, mais ça ressemble pas mal à ce que serait un automate. Voilà, et si j'ai le temps, j'essaie de me bricoler des trucs en ferraille pour m'habiller, en fait. Je dis pas à mes compagnons, mais je compte pas me fringuer. Normalement, je veux de la ferraille. Voilà. Bien. Oui, oui, mais t'as le temps. Pour ça, t'auras pas de G spécial. Voilà. Je te confectionne un habit en ferraille. Je vois pas voilà, trop en me disant, ça va péter, l'autre, il va se péter à la plume. Moi, je vais arriver à un truc en ferraille. Je serai avec, genre, tenue post-apo. Quoi. Je serai la seule à avoir ça au niveau extravagance. Voilà, à steampunk, je suis déjà steampunk. J'ai des lunettes de soudeuse, etc. Ça, voilà, ça va me permettre. Voilà. Ok, bah vous vous retrouvez du coup devant le calisson. Surtout qu'indirectement, je dois avouer que je me doute que cette chère Kairis va m'acheter tout ce qu'il y a de plus ridicule pour moi et que au moins j'assure mes arrières. Tu veux tracer la rune avant de rentrer?
Ouais, bah je donne déjà tous. Regarde bien comment ça marche, parce que le truc, c'est que... Je sais pas, ta rune, là, dans le livre, c'est marqué ça obéit à qui? À celui qui a dessiné la rune? C'est pas précisé, c'est juste dit que ça crée un golem. Bah je crois, hein. Ouais. On va pas donner d'infos là-dessus, donc... C'est ça? Ou faut que je regarde dans le livre, un... Non, ça fait un golem. C'est pas ça marqué. Fait un golem, mais c'est tout. Et il bouge, de toute façon. C'est un golem. Ah oui. Ouais. Du coup, je donne tout à 19, le manteau, les médaillons et le pantalon. T'as vu, je t'ai pris un pantalon. Non, mais c'est bon, j'ai déjà tout ce qu'il me faut. Regarde ma super tenue. De la rouille et tout. Ouais, bon bah écoute, tiens, je te le donne, c'est à toi. Regarde, fantastique. Je ressemble un peu à Fred. Ouais. C'est vrai. Avec le manteau, Fred, ça va être, clairement de l'extravagance. C'est génial. Bon bah je trace la rune sur le à un endroit assez caché. Enfin, on va se mettre dans un endroit caché, tu vois. Et je vais tracer la rune sur un endroit pas très visible du robot. Quoi. Ok. Donc on va dire bah tu lui traces sur ce qui lui sert de ventre. Effectivement, la magie des runes, il n'y a pas de jet. Donc le scarabée prend vie. Et bah, il bouge, hein. Tu vois que tu peux lui faire à peu près ce que tu veux. Moi ? Ouais. Ok. Bon, par contre, tu sais que c'est temporaire. Ouais, ouais. Ouais. Après, s'il vient se plaindre... C'est merde. C'est pas garanti. Hein. De toute façon, je sais même pas s'il peut grossir le truc. Alors. Grossir ? Bah... Ouais. Pourquoi ? Pourquoi tu veux qu'il grossisse ? C'est la magie des runes, c'est très spécifique comme magie. Et vu ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que ça peut faire, mais ça peut grossir. Non, ça dépend du tas sur lequel tu le fais. Tu vois. Les sorcières, dans l'histoire de Garnier, elles avaient fait un énorme tas. Ah oui, et du coup, ça avait fait un très gros golem. Là, vous tracez une rune sur un petit truc, il n'y a pas de raison qu'il grossisse plus tard. Bon, bah, on retourne vite à la taverne, histoire que je lui montre qu'il peut faire ce que je veux. Quoi. Ouais, ça devrait durer la soirée normalement ton truc, non? Je sais pas combien de temps ça dure, mais pas beaucoup de temps. Ah bon? Bah, on fait vite. Hein. Après, pas beaucoup de temps, ça risque d'être embêtant. Il va se radiner à la fête. Pas content. Il aura les invitations, il se démerde. Après, il voulait un automate. Il aura un automate. T'as mis le cristal dedans, c'est tout bon? Ah oui, oui. J'ai mis le cristal. Bah, le pierre. J'ai mis ce qu'il faut dedans. Ouais. Non, mais la pierre pour qu'on voit que c'est allumé, quoi. Oui. Il retourne, et tout. Pareil. Ok, donc vous rentrez dans la taverne et vous donnez le petit scarabée. Ouais, je fais faire des tours sur la table. Allez, vous voyez que son visage s'illumine, il est comme un gamin. Et il vous sort trois invitations et dit ah merci, vraiment, là, c'est la première fois que je peux avoir un automate à moi tout seul. Là, ça vaut vraiment le coup. Clairement. Ah oui. Profitez-en bien. Allez. Ah merci. Il joue sur la table avec son petit scarabée. Son visage s'est transformé. Bon, j'enlève la pierre. De quoi ? Je dis, j'ai enlevé la pierre de... Comment ça s'appelle ? Ah oui, de ton inventaire. La pierre qui brille. Hein. Ouais. Bon, on est habillé, on a les tenues et on a les invitations que demande le peuple. Nous sommes parés. Je monte mes cuissards, je fais regarder, c'est beau. Hein ouais. Moi, ce qui m'inquiète plus, c'est savoir comment on va pouvoir faire. Voir passer par à une heure précise, cet homme, c'est vrai. Ah, on file le boulot à l'autre, là, c'est bon. Est-ce qu'on pourrait pas lui dire qu'il a été empoisonné par une secte secrète et sa seule chance est de prendre cet antidote? Ouais. Donc, Kairis, déjà, tu peux t'enlever ta rune de golem. Si tu l'as fait une fois, tu pourras plus la refaire. Donc, le temps de faire tout ça, la nuit est tombée. Vous arrivez dans le quartier des manoirs. Vous trouvez le manoir Tréherne très facilement. C'est le plus grand. Et il y a des gens qui s'agglutinent autour. Et... On va faire une petite pause, on reprendra après.